Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Hearthstone. On est de nouveau dans l'arène. C'est notre troisième match et on est contre un guerrier. On va jeter ça. Hop. Donc on a une victoire, une défaite. Pour l'instant, c'est pas un très bon ratio. Non, ça j'attendrai. Je pense que je vais placer ça. Hop. À moins qu'il arrive à le détruire dès le premier tour, ça me permettra de lui donner... Ou qu'il mette un taunt, une provocation. Ça me permettra de lui faire 2 de dégâts, ce qui est pas mal. Salutations. Ça va, c'est mieux. Lui, il pourra pas le tuer en un tour, donc je vais le placer. Hop. Et allez, 2 de dégâts. Voilà, c'est déjà ça. Sachant que à chaque tour en plus, si jamais il le laisse en vie, il va devenir très très gros. Donc je pense qu'il va vite s'en débarrasser. Et donc son pouvoir à lui, c'est de se donner 2 points d'armure. Et du coup, ça veut dire que, enfin, en vrai, les points d'armure c'est mieux que les points de vie, parce que on peut aller au-dessus de 30. Faut y aller, hein, mais... Ah bah ouais, d'accord. Il s'est soigné direct. Moi, je ferais pas ça. Ah, d'accord. Ah, ouais. C'est vrai que du coup, il devient Berserk. Berserk, c'est que... Ouais, c'est l'accès de rage, c'est... Bah, c'est un peu... C'est genre... vous savez, quand on est en bataille et tout, et qu'on prend des dégâts, du coup, ça nous booste. Et donc, voilà, c'est ce qui se passe là. C'était une erreur. Bah oui, n'est-ce pas? Mes excuses. Alors, 3-3, qu'est-ce que... Oh, mais oui, lui, je peux le soigner, donc... Hop. Qu'est-ce que t'as dans ta... C'était dans sa main, il me semble. Non, c'est une carte aléatoire. Inflige un point de dégâts à un serviteur pour chaque point d'armure que vous avez. Alors, c'est ça, le problème, c'est que si c'est pas un prêtre, bah, c'est des cartes que je peux pas utiliser. C'est comme tout à l'heure, moi, je vais jamais avoir d'armure. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que lui... Hop. Et je... Est-ce que je le finis, lui, ou... Alors, bon, le premier coup, c'est clair qu'il va aller là. Ah, lui aussi, il peut tirer. Je peux peut-être attaquer lui, comme ça, je le perds, lui, mais... non. Lui, après, il pourra tuer qui il veut, c'est-à-dire lui, parce qu'il aura 3-1. Et lui, 1-3... Ouais, n'est-ce pas? On doit choisir vite. Merde. 2-1, ça vaut pas le coup de le tuer, lui. Mais lui, ça vaut le coup. Voilà. Tant pis, je l'ai sacrifié, c'est-à-dire que je vais pas avoir mon bonus de plus 1 d'attaque tant que j'aurais pas mis une autre créature. Mais en 5 d'attaque, ça devient un peu dangereux. Et puis surtout, je voulais pas qu'il puisse choisir qui tuer. Bon, il aurait tué celui que j'avais choisi. Ah ouais. Ah, voilà. Ah, tiens, il passe outre. Ah ouais, j'ai rien quand même. C'est quoi ça? Bouclier divin. Ah, bouclier divin, c'est intéressant ça. Ouais, hop. Et 3 machins... Lui, non, sinon je vais me suicider. Mais lui, je peux m'en débarrasser. Ça lui enlève 2 d'attaque. Hop. Voilà. Là, j'ai un... Est-ce que j'ai un avantage? Non, pas vraiment, là. Là, c'est kiff-kiff. Pour le chef de guerre. Ouais, c'est une bonne idée. Par contre, je sais pas si c'est une bonne idée de laisser mon chevalier... c'est un 5 points, ça? Bon, ouais, mec de la garde en vie. Parce que du coup, maintenant, il ne craint plus rien. Et lui, il faudrait peut-être le tuer... Ah non, lui, il a 4 dates. Ah bah ouais! Lui, du coup, je peux le tuer avec lui sans qu'il prenne de dégâts. Parce que lui, il pourra pas le tuer seul, donc... Hop! Et voilà.
Voilà, ça c'est cool. Donc j'aurais pu lui mettre 4 de dégâts, mais... En fait, le problème, c'est que si jamais je l'attaque, et je lui fais plein de dégâts et tout machin, mais que derrière j'ai pas de suite, ça sert à rien. C'est pour ça qu'il faut pas rusher si on n'a pas quelque chose derrière, dans notre main, qui va permettre de vraiment donner une suite. Parce que sinon, ce que je disais, je sais pas si je l'ai dit en vidéo, mais le seul point de vie qui importe, c'est le dernier. Si on passe toute la partie à un point de vie, bon, à moins d'être contre un mage ou un chasseur, on s'en fiche, parce que ça va... Enfin, ouais, c'est ça, on s'en fiche. On aura... on pourra se permettre de rester un. Ah, il choisit de ne pas attaquer. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Lui, on s'en fiche, on a dit 4 et 2, c'est pas mal, sinon 1, 3... Là, si, je vais peut-être dépenser que la moitié, elle, je vais pas la poser. Parce que j'ai besoin de cartes, donc je vais... Je dois réfléchir. Poser celle-là. Ensuite, 5, 4, 3... Si c'est lui que je soigne, ouais, ça peut être pas mal. Du coup, de lui... Ah non, 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 non. Voilà, je fais comme ça. Ah. Souvenez-vous de quel talent. Ah non, il a 3 d'attaque, lui. Mince. 3-3. C'est pas grave, tant pis. Donc, voilà. Là, je pioche une carte, du coup... Oh, je peux la placer. La hop. Lumière me protège. Ah, mais je pourrais le tuer avec au prochain tour, nickel. Tac. Donc voilà, lui, là, il a pris que 2 de dégâts parce qu'il avait les 2 d'armure. Ça, on le garde comme ça, ça lui donne l'impression que j'ai plein de cartes. Même s'il y en a une que je peux pas utiliser. Enfin, si, je peux l'utiliser, mais ça fera rien, quoi. Ah, c'est vrai que j'ai laissé à 3. C'est pas grave, parce que du coup j'ai eu ma carte quand même et j'ai pu me débarrasser de ces 2 monstres avec. Et là j'ai quoi? J'ai 6 d'attaque, 6 de puissance d'attaque, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Même si lui à chaque fois... Oh. Ouais, charge bouclier divin, il a 4, c'est pas... Ah bah, je peux le tuer avec mes 2 boucliers divins, en fait. Il lui coûte 6. Ouais, bah, je vais faire ça, je pense. Parce que lui, il est vachement dangereux. Non. Paf. La victoire. Paf. Bon, c'est dommage, j'ai perdu mes boucliers. Souvenez-vous de quel talent. Mais je pense que ça valait le coup. Tac. Voilà. Bon, bah là, je suis bien. Là, du coup, je fais 10 de dégâts par tour. Plus ça, c'est vrai que j'ai les 5 de dégâts aussi. Ah, mais je pourrais l'utiliser bientôt, ça, en fait. Parce que ça, c'est le genre de truc qui pourrait faire que dans 2 tours, s'il n'arrive pas à contrer, et je pense qu'il y arrivera quand même, dans 2 tours, il est mort. On est en 3 tours, maintenant. Oh, faites qu'ils mettent un énorme truc en mode « ça y est, je vais reprendre ». Bon, tu me diras, il a que 5 cristaux qui lui restent, mais... S'ils mettaient quelque chose de gros, ça me ferait vraiment marrer. Changer. Ah, ça veut dire qu'il a juste envie d'avoir des créatures. Parce qu'il profite pas de son pouvoir, elle. Quoique, je sais pas, c'est pas un cri de guerre, donc je pense que c'est peut-être quand tu poses une autre créature derrière, ça s'applique aussi. Est-ce que ça vaut le coup de la prendre? Non. Je peux faire elle et soigner. Non, ça, bah, je peux me soigner moi, sinon faire provoque. Ouais, je vais mettre un provoque. Hop. Comme ça, tout le monde est à l'abri, en plus il peut pas le tuer avec juste sa créature. Et je vais aussi invoquer. Non, je vais pas invoquer d'autres créatures parce que si jamais il arrive à trouver un dégât de zone, il me restera plus rien. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va attaquer là. Ensuite on a 2, 4, 3. Attaque augmentée. Je pense que je vais quand même me débarrasser. Non, je vais pas me débarrasser, j'ai pas le temps pour l'instant.
Et hop, ça va me donner une carte en plus. Non ? Allô, allô ? Ah, c'est un serviteur qui a soigné, ok, d'accord. Bah, c'est pas grave, tant pis. J'aurai pas de carte en plus, mais là, j'ai un panel sympathique pour le prochain tour. Ça, je vais devoir m'en débarrasser, pour le coup. Ah, clairement. Mais tu peux pas attaquer avec, tu viens juste à la charge ? Ah non, j'avais oublié ! J'aurais dû la tuer. Ouais, donc voilà, bon bah on a la confirmation, ça s'applique aussi aux autres. Bah c'est bon à savoir, j'ai mal joué, j'avais oublié son pouvoir, il en a finalement bien profité. Ouais. Bon. Première chose à faire, ça va être d'attaquer. La victoire ou la mort. On va... On va le soigner, lui. Hop. Dégâts de sort. Oh oui, ça c'est un sort. 6... Écoutez, on va le placer lui, je pense. Êtes-vous prêt pour ça ? Voilà, ça c'est bien. Donc là, 13, et j'ai combien de puissance ? 8, 10, plus 6 ici. Donc voilà, prochain tour il est mort, sauf qu'il le sait pas encore. Ah. Il est toujours mort. Toujours mort s'il réagit pas pour l'instant. Ah mince, j'ai oublié ça. Ah, c'est bien joué ça. Ouais, ça c'était très bien joué. Ah, et là je suis dans la merde. Il m'attaque moi directement, t'es sérieux? Non, je comprends la logique, parce que sinon il se prend des dégâts proportionnels, mais... attends, avec 5 d'attaque, il aurait pu la tuer elle et prendre qu'un de dégâts. Ouais, bah écoutez, là je suis un peu perplexe. Moi c'est pas comme ça que je l'aurais joué, mais bon. Voyons voir. Je dois réfléchir. Là je fais 5 plus 6, donc 11. Il va m'en manquer 2. Ah, charge, bah voilà! Bien joué. Tac. 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 Et boum. Voilà, très bien. Bon, bah voilà une victoire, ça fait plaisir. Ta-da. Bon. Bon, on est à 2-1. C'est... ça va. 2-1, ça va. On va essayer de faire mieux sur celui-là. Bah ouais, il faut un ratio qui est meilleur que 3 pour 1, quoi. Donc là, j'y suis pas encore. Ok, presque le chasseur chasseux. Est-ce que ça veut dire que je suis contre un chasseur ? Non. Un mage. Vous l'avez cherché. La lumière nous apportera la victoire. Non, je donne tout, c'est trop cher. J'ai failli garder la dernière carte parce que ça fait 2 créatures quand même, et waouh, ça va être très très mauvais là, waouh. Salutations. Oh, bah c'est déjà ça. Quelqu'un est blessé. Merci. Mais de rien. Oh, ça va être mauvais. Ah, je le sens pas du tout, non. Ouais, ça aurait pu être pire. Furie des vents. Alors non, voilà, là c'est le problème, c'est que je suis contre un mage. Mage qui peut infliger un point de dégâts, donc si je pose quelque chose qui a un point de vie, surtout au début où il y a que ça à attaquer, entre guillemets, ça sert à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la soigner elle. Même si du coup ça... Oh mais t'es sérieux, j'ai pas besoin des cartes à 8. Et puis je l'attaque. Ça aurait été mieux... Comment dire, ça aurait été plus...
J'en aurais plus profité si je m'étais soigné moi, mais j'aurais pas eu la carte. Bon, c'est une carte de merde, mais je pouvais pas le savoir. Et lui, il pose rien sur le terrain, je suis assez étonné. Bah, peut-être qu'il a des cartes comme moi. On va prendre une copie. Et j'espère que c'est pas un truc de mage, spécifiquement. Détruit tous les serviteurs. Oh! Ça, c'est intéressant, ça va détruire tout, tout, tout. Donc si jamais à un moment, lui, il a un avantage énorme, bah, je peux me faire plaisir. Tout de suite. Hop! Ah, c'est un petit peu lent ce début de partie quand même. Hein. Je suis assez curieux de voir les cartes qu'il a lui parce que visiblement il doit avoir que des trucs qui coûtent la peine aussi. Ouais, la preuve, il utilise la pièce. Ah, j'aurais dû le garder. Ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Ah, sinon, tac, tac. Non, je vais pas ramener mon Grizzly. Tout de suite. Je vais attaquer lui. Hop. Et je vais soigner, donc avoir une autre carte. Qui est pas mal, mais un petit peu trop tôt. Et donc je vais m'arrêter là, parce que les autres trucs que je pourrais poser, ça m'intéresse pas. Mais elle aurait été sacrément rentabilisée, elle. Ah, voilà. Ok. Alors, j'ai 5, qu'est-ce que je peux faire? Non, ça m'intéresse pas. J'ai 29, soit 3, 6. Ah, c'est parfait, c'est une 3, 3. Ouais, je vais poser le 3, 6. Je dois réfléchir. Hop. Ouais, maintenant il ne peut plus m'attaquer, et si jamais il s'y attaque, il meurt. Ça c'est parfait. Mais faut pas que j'oublie, je joue rarement contre les mages. Mais les mages, faut que je revoie tous mes maths pour me dire qu'il y a un point de vie qui peut sauter facilement. Ah, waouh, plus un dégât de sort aussi. Pop pop pop. 3-6, je peux le tuer. Ah, c'est dommage qu'il ait pas un d'attaque en plus. Où est-ce que je... Non, je peux pas le prendre. Bon, on va commencer par ça. Tac. Qu'est-ce que j'ai à trouver? Bah, je posais un autre taunt, je pense. Ah, quoique... Bah voilà, je peux... Je vais faire popper son bouclier divin pour tuer le... Hop. Voilà, 0 de dégâts. Ça, c'était bien. Là, je suis content. C'est vrai que j'aurais pu le soigner lui aussi, mais bon. 4 de vie, ça va. Ah oui. Ah, c'est... Donc attends, c'est à la fin de son tour. Non, non, au début de son tour. Donc moi, il me reste un tour encore. Donc je ne vais pas poser de créature. Ah, et si je le tue, ça s'applique pas. Mais ça va me gaspiller mes dégâts. Je me demande... Qu'est-ce que je peux faire avec 7? Je peux le soigner... Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, c'est ce que la je vais faire. Ou la mort je voilà. Du coup, ça te le fait plus, ça. T'es deg. Et du coup, je vais poser... Bon, celui-là, je pense que ça peut être pas mal. Ça va devenir un 6-6. Les loups de givre sont prêts. Et lui, je me soigne. Job done. Ok. Donc là, il est deg parce que je garde mes créatures et que j'en ai même rajouté une autre. Mais ça lui a économisé 7 de dégâts. Je pense que c'était un peu le but, c'était de gagner du temps. Ça, ça fait mal, mais ça lui a tout compris. Putain, j'ai plein de cartes, c'est un truc de malade. Lui, il est vachement intéressant. Après, est-ce que c'est le meilleur choix? Ouais, si je mets ça... Tac. Je
je me mets et je soigne. Ou les deux. Je vais le soigner. Ce qui fait plus de dégâts et que de toute façon j'ai d'autres taunts dans mon deck si besoin. Allez, vas-y, essaye de te rattraper après tout ça. Ah. Mais c'est pas mal, ça. Ah, du coup, il va pouvoir lui tirer une boule de feu. Ah, et c'est moi qui lui ai indiqué en passant mon curseur dessus, non? Passez-moi cette clé plate. Ah, il peut plus le faire. Ah. Forcément, c'est celui que j'avais buffé avant. Bon. Qu'est-ce que je fais là? Lui il emmène pas de large. Provocation, je peux en mettre un autre à 3, après il me restera 5. Je dois réfléchir. Ouais. Non, il me restera 6. Ah! 6, c'est peut-être un 4. Ok, si je mets. Non, lui ça sert à rien pour l'instant parce que j'ai rien à réduire au silence. J'ai envie de mettre un autre provocation là parce que je le sens pas. Ok, je vais placer mon faucon. Il me le tuera peut-être, mais du coup, c'est-à-dire qu'il tuera pas mon tante. Et s'il tue mon tante, c'est-à-dire que lui, je le garde. Et je vais soigner. Tu dois choisir vite. Lui, il a combien de vie à la base? Je soigne lequel des deux? Je vais soigner le tank. Hop, voilà, comme ça je dirige sa boule de feu vers mon faucon. Ah bah j'ai bien fait de le soigner parce que c'est lui qui a eu le buff. Je le dirige vers mon faucon, comme ça c'est-à-dire que mon tank il survit, et c'est lui qui a le plus d'attaque. Et donc là, il est bon au prochain tour, à moins qu'il arrive à faire quelque chose. Par exemple ça. Oh, c'est tellement puissant les mages. Ah. Ok. Ça a rien que je prenne son truc. Je dois si réfléchir. Je prends ça et que je mets lui aussi. Ouais. Petite provocation. Mets l'archimage derrière. Ça fait 7 de dégâts d'un coup. Et lui. Ah, lui il meurt pas en attaquant le grizzly, c'est dommage. Il aurait fallu que le grizzly ait un attaque en plus. Ah, j'aime pas les secrets. Alors, les secrets ça se déclenche soit quand j'attaque. Je suis là pour. Soit quand j'attaque le héros, soit quand j'attaque un perso, soit quand je pose un truc, ça dépend du piège et on peut pas savoir tant qu'on n'a pas testé. Toi, je. Ça votre va pas le faire donc. Oust. Ah mince. Votre magie okay. Ne vous sauvera pas. Alors, moi ce que je vais poser c'est. Ah, j'ai pas le temps de se mettre par-dessus. Ah non, je sais. Alors, je vais sacrifier tout ce que j'ai. La fin est proche. Hop. Voilà, vas-y, va tuer mon mec à 14 points de vie. Allez, vas-y. Moi aussi, je peux jouer à ce petit jeu-là, vu que je l'ai pris dans ton deck. Ah, et du coup, il va tout m'infliger à moi, c'est pas faux. J'avais pas... Bon, c'est pas grave, je reste bien au-dessus de lui. Même s'il m'a fait bien mal, là, waouh. Hop. Ok. Bah, c'est parti. Voilà, moi j'ai tout ressorti et vas-y, je te mets au défi de mettre une grosse créature parce que je vais la reprendre direct. Mes excuses. Petit troll sympa.
Allez, un gros, je t'en supplie. Votre magie ne vous sauvera pas. Ah, j'aurais pu le tuer avec, du coup, en plus. Ah, mais... ah. Il joue bien ou il a beaucoup de chance. Je vais prendre un de ses serviteurs, juste pour le fun. Hop, merci. La lumière me et protège. Je vais poser. Donc là, je fais rien ce tour-ci, mais au prochain tour, ça risque de faire très très mal. Mais bon, ça risque de, hein, parce que on a vu que souvent, ça pouvait faire très mal. Mes yeux. Alors qu'on pensait que c'était gagné. Et vous voyez, encore une fois, j'arrive pas à faire ça rapidement. C'est toujours super bon. Ah, j'ai 9 d'attaque. Je vais prendre le contrôle de quoi? Bah de... Ah non, lui, il est... Je me demande... Dans la mer... Ah, je vais pas pouvoir mettre les deux, mince. Je préfère pouvoir charger, je pense. Ou est-ce que je tue un peu de ces mecs? Bah genre je peux faire ça. Trois, c'est embêtant qu'il ait pas juste 4, 3. Lui, je vais attaquer là. Souvenez-vous de quel Talas ? J'attaque là. Donc là j'emmène pas large. Sauf que je place ça, j'attaque et je soigne. Je soigne lui. Hop, comme ça il peut pas le tuer avec une boule de feu. Comme tu me diras, il peut tuer mon écuyère d'argent, donc ça change pas grand chose. Mais bon, a priori là moi je me sens pas trop mal. Voilà, les Murlocs, sauf qu'il a pas d'autres Murlocs. Ah oui, du coup il attaque. Ouais. Cible en vue. Il veut pas, hein. Moi je veux quelqu'un avec 5 d'attaque ou plus. Alors là ça me donne combien? 5, 6, et voilà, gagné. Et voilà! Boom. Ah, c'est très bien tout ça. Hop, et du coup ça nous porte à 3 victoires pour une défaite. Bon, c'est pas encore tout à fait ça, c'est vraiment le limite là pour l'instant, mais on peut y arriver. Allez, bon, on se retrouve la prochaine fois, c'était un long épisode, mais j'aime bien faire deux combats par épisode, donc on se retrouve la prochaine fois pour la suite, qui sait peut-être un jour la victoire dans cette arène. Allez, salut à tous.